Donc globalement, le virus qui circule actuellement a un certain nombre de spécificités. Pour l'instant, la mortalité qu'on observe est plus basse que ce qu'on avait observé pour la première partie, puisque dans la première partie, on avait une mortalité qui était de 2,1% chez les patients hospitalisés à la PHM, et que là, on a 0,5%. Peut-être que les choses évolueront, mais pour l'instant, on a l'impression qu'on est un peu dans la dynamique actuelle, vous voyez, sur ces données. Encore une fois, toutes ces données, je sais que les gens pensent qu'on peut raconter des histoires. On ne peut pas raconter d'histoires quand on parle de chiffres qu'on est obligé de rapporter à l'ARS, ou que l'assistance publique est obligée de raconter à l'ARS. On ne peut pas inventer les chiffres. Les chiffres sont terribles, ils existent, c'est la seule chose qui m'intéresse. Le nombre de décès. Eh bien là, une fois de plus, c'est une aberration quand vous voyez le nombre de décès qui est provoqué à cause du virus, c'est dérisoire par rapport à toutes les autres causes de mortalité. Et en plus, comme par hasard, cette année, il n'y a pas eu de grippe, et le fait que tout le monde se lave les mains, il n'y a pas eu non plus d'épidémie de gastro-entérite. Uniquement les joies de l'hygiène. Ici, vous avez ce chiffrage, qui est un chiffrage qui est fait par Santé publique France. Et donc, d'ailleurs, on a la chance d'avoir maintenant vraiment les données disponibles pour pouvoir travailler à regarder. Vous voyez la mortalité. Pour l'instant, ce qu'on a vu, si on regarde maintenant tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, alors j'ai pris Marseille et Paris parce que c'est deux villes dans lesquelles la maladie a été épidémique. Vous voyez que la mortalité à Marseille, à côté de celle de l'année 2018 ou de l'année 2019, n'a pas été significative dans tout le courant de l'année. Donc il n'y a pas eu plus de morts à Marseille en 2020 pour l'instant qu'en 2018. Quant au calcul du nombre de morts, faites bien la différence entre morts avec le Covid et morts du Covid. Le CDC a revu sa copie puisqu'ils ont avoué s'être trompés à 94%. Tous les lanceurs d'alerte qui ont dit que les chiffres étaient mensongers depuis le début de l'année, on leur a dit que c'était n'importe quoi, qu'ils étaient fous, qu'ils étaient conspirationnistes, etc. Et aujourd'hui, eh bien vous voyez que c'est la version officielle, ils avaient raison. Et ce qu'ils disent aujourd'hui, eh bien ça sera vérifié dans quelques temps. À chacun de voir la vérité, de croire ce qu'il a envie, et de se faire plaisir en regardant la télé, en tremblant, en ayant peur, ou en sortant dehors, en ayant profité de la vie, de sourire, de profiter du soleil, car il fait encore beau, et de continuer de jouir de notre liberté, et de se battre pour la conserver. Il faut s'occuper des gens, il faut les soigner, et bien entendu, il y a des morts, mais comme vous voyez ici, dans toute cette représentation, qui sont tous les morts qu'il y a eu à Marseille à l'assistance publique. Vous les voyez par tranche d'âge. En réalité, cette malheureuse est morte avec le Covid, mais pas à cause du Covid. Et vous voyez les morts que nous avons eues à l'IHU, qui sont en rouge. Vous voyez, nous avons une personne qui est morte qui avait moins de 59 ans en tout. D'accord ? Tout le reste, c'est ceux qui étaient traités ici. Donc le reste, c'est l'assistance publique hors IHU. Et ici, c'est la même courbe, mais la différence étant ceux qui ont eu 3 jours de traitement, donc on peut évaluer, qui sont en rouge aussi, et vous voyez que l'attribution des âges est celle-ci, c'est-à-dire bien sûr les gens qui avaient une espérance de vie très courte, et encore on ne met pas dedans les pathologies, dans les quelques personnes qui viennent de mourir dans l'épidémie actuelle, il y en avait au moins 3 qui avaient des cancers métastasés, qui étaient en phase terminale, les autres qui sont âgés et diabétiques. Encore une fois, c'est bien, il faut s'occuper des choses quand elles sont là. Moi, je me demande si on avait testé l'année dernière ou l'année d'avant la fréquence des rhinovirus dans les gens qui rentraient dans les réanimations, dans les gens qui sont morts alors qu'ils avaient des espérances si courtes, on n'aurait pas eu des taux encore plus élevés parce que le rhinovirus était associé, je crois, à 2% des mortalités l'année dernière. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le rhinovirus qui les tue. Donc, je crois qu'il faut être pas s'affoler comme d'habitude, il faut gérer les choses, soigner les malades et s'en occuper. Et nous, c'est ce que nous faisons. Je souhaite revenir sur la déclaration du CDC. Nos copains producteurs de fake news ont bondi sur l'occasion pour brouiller les pistes. Comme je vous le dis dans le journal de la pilule rouge, dès qu'il y a une information, il y a tout de suite une intox qui vient la démonter. Comme ça, quelqu'un qui arrive derrière et qui cherche la vérité,
sera noyé dans tout et son contraire. C'est à votre cœur, à votre bon sens, à votre réflexion personnelle de savoir qu'est-ce qui pour vous est vrai ou pas. Cessez de croire ces fournisseurs de fake news. En fait, si vous voulez rire, vous pouvez aller les consulter. Ils ont toujours une bonne imagination pour essayer de démonter les vérités. Je trouve ça très amusant. Et le champion du monde, les décodeurs, la pensée unique par excellence. Ils sont là pour vous expliquer ce que vous devez penser. Lorsque le service public affiche de nouvelles cartes de France avec des clusters, au lieu d'afficher le nombre de morts, vous n'y voyez que du feu. En réalité, il n'y a que des tests. Encore des rumeurs avec les faux positifs dont a parlé le professeur Raoult. Lui en a détecté 40%. Il semblerait qu'en totalité, comme il y a énormément de faux tests qui ont été dénoncés et qui continuent d'être utilisés, il pourrait y avoir jusqu'à 90% de faux positifs. Je ferai bientôt une vidéo pour vous expliquer les dérives des tests, tous les problèmes que cela engendre et comment ceux qui se font tester inutilement ou utilement deviennent complices de cette propagande de la peur. Vous l'avez bien compris maintenant, nous ne sommes plus dans une crise sanitaire, c'est bien une crise politique. Rares sont les scientifiques qui dénoncent tous ces mensonges. Le professeur Toussaint nous rassure et tacle les pseudo-scientifiques à la solde des mondialistes, ceux qui se trompent sans arrêt et qui pourtant ne sont jamais dénoncés comme étant des fake news. À nouveau, les éléments d'estimation, les modélisations se sont à ce point trompés. On n'a pas du tout de deuxième vague actuellement, il n'y a pas de réaugmentation de l'épidémie par le nombre de morts, c'est-à-dire ceux principalement que le virus va tuer. Or, c'est là-dessus qu'on compte essentiellement les catastrophes et celles sur lesquelles les épidémies vont laisser des traces dans l'histoire. Si on a ça, on voit qu'il existe une augmentation du nombre de tests qui ont été repris cet été et qui vont dans tous les pays augmenter pendant le mois de juin, le mois de juillet. Je rappelle que cette phase épidémique, si on était sous les seuils grippaux dont parlait le Dr Canto tout à l'heure, elle aurait été déclarée achevée à la fin du mois de juin. Ça ferait déjà 2 mois qu'on aurait fini les alertes. Ce qui compte pour l'instant, c'est de suivre le nombre de décès et celui-là, dans aucun pays d'Europe, pour l'instant, ne réaugmente. Attendez quelques semaines, vous allez voir. Non, ça fait 3 mois. On peut pas s'arrêter. Vous êtes en train de parier. Vous êtes en train de dire depuis 6 mois qu'il va y avoir une augmentation en avril avec le relâchement. Elle n'a pas eu lieu. En mai avec le déconfinement, elle n'a pas eu lieu. En juin avec la fête de la musique, elle n'a pas eu lieu. Et en juillet avec les clusters de Mayenne, elle n'a pas eu lieu. Donc ça fait 4 fois, 5 fois que vous vous trompez sur les pronostics qui sont donnés. Il est important de comprendre ce que les déterminants de cette épidémie font. L'idée, c'est pas de dire que c'est complet ou pas. L'idée, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Or, les conséquences de ce confinement actuellement vont être portées par eux. Et c'est sur eux qu'il faut mettre. S'il n'y a plus de morts, c'est qu'il n'y a plus de pandémie. Une pandémie va se calculer au nombre de morts. Il n'y a pas de mort, il n'y a plus de pandémie. C'est tout simple, et c'est comme ça. Sur les séquences du virus, c'est très intéressant. Les séquences que nous avons, qui circulent actuellement, sont pratiquement que des séquences. Il y a 7 nouveaux virus avec des mutations différentes. Aucun de ces virus ne circulait avant mai. De ces 7 virus, il n'y a que 2 séquences qui ont été décrites une fois dans le monde, donc qui sont vraiment complètement nouveaux. Le premier est arrivé en bateau, c'est ce qu'on appelle le Marseille 1. Il a donné une épidémie qui a dû toucher à peu près 80 personnes, et puis il a disparu. Et ces virus ont quelque chose en commun, ils ont des mutations que l'on voit dans les génomes qui se dégradent. C'est-à-dire une mutation d'une base que l'on voit quand les génomes ne sont plus réparés. Et donc, il y a une augmentation considérable de la variabilité du virus actuellement. Elle est beaucoup plus variable, 10 fois plus variable maintenant que ce que l'on avait dans tous les génomes que nous avions avant mai. Ce phénomène commençait à se voir fin mai, il y a une équipe qui est en train de le décrire. Et donc, il y a là quelque chose qui se passe qui est très intéressant et qui... montre une évolution différente de ce virus qui mute plus, mais avec apparemment dégradation qui explique peut-être, si les choses continuent comme ça, une sévérité différente d'un virus à l'autre. Dead or clinically insignificant amounts of the virus being detected, therefore causing the test to show up as
nationwide, then perhaps only 4,500 people may actually need to isolate and split. End quote. So why is this important? Because public health policy, the lockdowns, the quarantines, the travel restrictions, businesses closed, gyms shut down, families closed, funerals, people not allowed to go to church, that is based on COVID-19 cases in our country. Not the COVID-19 death count, not the infection fatality rate, not the hospitalization, not the number of ventilators in use, not the ICU bed capacity, no. The COVID-19 public policy in our country is based on COVID case numbers, which means positive COVID-19 tests. And according to the New York Times report, up to 90% of positive COVID-19 tests should be negative.